Bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour ces ateliers. Hein. On va dans ces quatre ateliers, donc qui sont programmés sur 4 semaines, explorer la gestion des dossiers avec Élise. Hein. Alors, c'est surtout pour nous, bah, l'objectif d'abord de rester en contact avec vous dans cette période un peu particulière, et aussi d'aller explorer des fonctions avancées. Parfois très avancée d'Élise. C'est pour ça qu'on l'avait quand même dédiée aux administrateurs fonctionnels d'Élise. Alors, au-delà du paramétrage technique, c'est aussi ben, d'explorer des fonctions que vous n'avez peut-être pas l'habitude de pratiquer, bien que vous soyez très doué sur le paramétrage d'Élise, et des fois plus que moi. Mais voilà, c'était l'occasion de s'amuser un peu. Alors, on a, nous, décidé, avec les équipes hein, qui m'ont aidé à préparer ces ateliers, de prendre une thématique autour de la gestion de dossiers. Alors, d'abord, parce que c'est un sujet qu'on trouve assez passionnant. Élise 6, bizarrement, vous avez, quand vous êtes passé de la 5 à la 6, vous avez vu, le type dossier n'existe plus. Hein, ben, c'est en faisant disparaître qu'on essaye d'aller plus loin dans la gestion de dossier. Donc ça peut paraître un peu paradoxal. Et c'est vrai qu'on a une approche très structurante, très jade hein, de la gestion de dossier chez NeoLedge. Et ça permettra d'échanger autour de ça. Alors j'ai peut-être oublié, pour ceux qui ne me connaissent pas, de me présenter. Hein, donc je suis Eric Ruffler. Hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc j'ai créé NeoLedge, je suis un des associés fondateurs et j'assure les fonctions de président de la société. Donc voilà, c'est moi qui vais avoir la chance d'officier aujourd'hui sur la plateforme que les équipes m'ont aidé à préparer pour vous. Alors, ces ateliers, on a prévu qu'ils durent 1 heure, incluant en fin d'atelier 15 minutes d'échange, on essaiera de laisser quand même le temps aux questions, réponses, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous, vraiment vous ne comprenez rien et que je ne suis pas clair, n'hésitez pas à réactiver votre micro pour me la poser en temps réel, hein, au fil de l'eau. Dans la mesure du possible, on terminera cette heure par quelques minutes d'échange. Alors, moi, j'ai laissé ma caméra et le partage d'écran ouvert. Pendant la présentation, l'idéal, c'est peut-être de couper votre micro, ce qui permettra de ne pas avoir des échos et ce type de choses. Alors, cette séance d'aujourd'hui, on va introduire le sujet, on va regarder comment on gère un dossier. On a pris la thématique des dossiers d'adhérents. Alors, on verra que c'était voilà, un choix pour l'exemple. Comment on définit une structure documentaire de dossier? Comment on va automatiser cette structure-là? On va parler du smartage aujourd'hui, notamment pour faire ça. Et puis, ben, comment on va s'interconnecter, parce que bien souvent, les références de ces dossiers sont présentes dans notre système d'information et elles préexistent à Élise, ou elles existent en dehors d'Élise, et comment on va connecter Élise au reste du système d'information. D'accord? Comment on va classer tout ça, et comment on va donner une structure à ce dossier. Donc, on va arriver à la fin de cette séance-là, avoir des dossiers qui vont s'importer tout seuls, qui seront classés, dans lesquels on pourra naviguer. On regardera la semaine prochaine, on ira un peu plus loin, justement, sur la recherche, l'indexation, la représentation des dossiers dans Élise. Comment on y accède, comment on navigue dedans, comment on parcourt, et comment on va mettre des droits d'accès. Hein. Vous savez que les droits d'accès dans Élise sont très liés aux tâches. Bah là, on va aller plus loin, hein, notamment sur des droits d'accès liés aux métadonnées. On retournera un peu faire du smart agent là sur des configs un peu plus avancés, parce qu'on scriptera, notamment pour calculer par exemple une référence automatique, mais on vous montrera les premières capacités de script du smart agent. Dans la troisième séance, ben on va faire du processus, parce que vous verrez, dans les deux premières, on ne va pas vraiment attaquer la partie workflow et processus. Là, on va aller faire des processus. Alors, vous connaissez bien les processus, les chemins de suivi dans Élise. Là, on va aller un peu plus loin. On va s'amuser à gérer ce qu'on appelle des acteurs variables. Et ça va notamment nous permettre de faire des processus de validation et de signature. C'est un des processus toujours très intéressants à faire. Hein. On reviendra vers des sujets alors très dossiers, là, comme le calcul, par exemple, de la complétude. Et puis, on va s'intéresser à des dashboards
parce qu'on connaît le dashboard comme portail d'accès à Elise. On connaît moins la capacité des dashboards à afficher justement une synthèse d'un dossier. D'accord? Donc, on ira regarder les index de type date, hein, et notamment essayer de mettre ensemble des widgets d'alerte sur ces aspects-là. On terminera dans 4 semaines, hein, par la dernière séance, par l'alimentation d'un dossier. Alors, on le verra quand même aujourd'hui grâce au Master Data Import, mais on va dire comment on peut numériser, reprendre de l'existant, hein, numériser en masse, hein, des dossiers. Comment on peut faire de la LAD, par exemple, dessus avec le module d'extraction de texte. Alors, la reprise d'une structure de répertoire via le Master Data Import, je vais vous montrer aujourd'hui, en fait. Hein. Et puis, on ira voir des fonctions avancées comme les statistiques, l'accès depuis une application externe, et notamment là, l'accès au SI, mais de Elise vers le SI, hein, via CMIS et les exports avec le Master Data Export. Alors, vous voyez que c'était aussi pour nous un prétexte pour aborder toutes ces configurations avancées que des fois on n'en a pas forcément besoin, des fois non plus on ne les connaît pas. Et en fait, Elise possède beaucoup de trésors, des fois un peu cachés. Hein, c'était pour nous l'occasion de vous les révéler. Très bien. Donc là, je pense que l'introduction a permis à tout le monde d'arriver, j'espère, sinon ils sont vraiment, vraiment très en retard. D'accord? Alors, on va traiter des dossiers, et on a choisi le thème des dossiers d'adhérents. Alors, la plateforme qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est notre plateforme de démo, ce qu'on appelle notre plateforme de référence, sur laquelle on fait un grand nombre de paramétrages. On a inventé d'ailleurs une fondation qu'on a voilà, donner une thématique, d'accord? Alors, en fait, dans notre exemple, chaque dossier d'adhérent va être structuré autour d'un document racine qu'on va appeler le dossier de l'adhérent ou la fiche de l'adhérent, auquel vont venir se raccorder un certain nombre de documents qui sont les pièces de dossier. Alors, pour faire ça, on a été d'abord, la première chose, on a créé deux types de documents, hein, pour faire ça. Donc là, je suis connecté sur cette plateforme. Hein, on peut aller voir, vous connaissez, dans l'administration générale des référentiels, on a été ici au niveau des types de documents, hein, bah Unknown créé. participant is now joining. Là, on a été créé à ce niveau-là, hein, deux types de documents. Alors, vous voyez que sur cette plateforme-là, on a un nombre de types de documents qui est imposant. Hein, alors, il faut que je remette la main dessus. Chaque fois, je cherche après, voilà. Hein. Donc, on a créé un type de documents de type adhérent et un type de documents de type pièce d'adhérent, hein, qui correspond donc à nos deux types de documents qu'on voit ici. Retenez-le, vous verrez, on va se servir des ID. Hein, le premier, la fiche adhérent qui correspond à la racine de notre dossier, eh ben, correspond à l'ID 27, hein, et nos pièces d'adhérent correspondent à l'ID 28. Alors, ici, on les a créés, vous voyez, de type, notamment pour les pièces de type interne. Bien évidemment, si on allait au bout d'une démonstration, on pourrait rattacher des types de documents de n'importe quel sens. Entrant, on pourrait rattacher les courriers de l'adhérent. Entrant ou sortant, on pourrait rattacher d'autres types de pièces. Là, dans l'exemple, on a quand même simplifié pour pouvoir suivre en disant, ben voilà, ces deux types-là, ils sont internes. Celui-là, comme il est d'une nature référentielle, on aime le laisser de type interne. Hein. On comprendra après, notamment avec le Master Data Import, pourquoi. Alors, une fois qu'on a créé ces deux types-là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer des champs administrés. Alors, ces champs administrés, bah, ils servent d'abord à indexer, à classer, à rechercher. On verra qu'ils vont servir aussi à gérer, et puis ils vont servir à plein d'autres choses. Alors là, j'ai mis, voilà, teasing, hein, pour vous garder en haleine. Alors, pour faire ça, on va déclarer sur chacun de ces types, hein, des propriétés personnalisées, hein, et des grilles personnalisées. Donc, on va retrouver ici, au niveau de notre type adhérent, on a créé une grille adhérent, hein, sur laquelle on a ajouté un contact. Donc, on va lier notre fiche adhérent à un contact externe. On va lui donner un numéro d'adhérent. Et puis on va aller dire bah, quel est le gestionnaire de l'adhérent. On va dire chaque adhérent il est géré par une personne dans l'organisation et quel est son statut. Hein, voilà à peu près les quatre champs descriptifs qu'on a mis pour un adhérent. Au niveau des pièces, hein, des documents qu'on va stocker
dans le dossier d'adhérent. Au niveau de ces pièces, on a le classement de la pièce. Vous verrez que là, le classement correspond à une métadonnée de type thésaurus. Et puis, on a rajouté deux champs de gestion qu'on ne verra pas beaucoup aujourd'hui, mais qui nous serviront dans le reste des démonstrations. Hein. OK, donc ça, on a posé très simplement donc, notre structure de données hein, qui correspond à deux types. Hein. Et puis, vous voyez qu'on a, notamment, il y a un champ qui va nous être important, qui est le numéro d'adhérent qui va nous aider, on le verra, à faire des liens automatiques. Hein. Donc là, on a deux types, de type interne et des champs administrés qui ont été déclarés hein, et référencés dans les grilles de chacun de nos documents. Ben, on va pouvoir tout de suite faire notre premier dossier. Hein. Donc faire un dossier, en fait, dans Elise, c'est relativement simple. Je vais revenir ici à mon Elise. J'ai fait un petit dashboard qu'on fera évoluer. On reviendra sur les dashboards dans les autres ateliers hein, où j'ai créé deux widgets qui nous permettait facilement de créer des types de documents. Vous savez qu'on a un widget facilement dans un dashboard, aller déployer un widget de création. Donc, je vais créer un adhérent à la main. Hein. Donc là, je n'ai pas forcément de fichier attaché. Donc cet adhérent, alors moi j'ai une tâche de rédaction, je vais la traiter tout de suite. On va dire, ben voilà, que c'est mon association. Donc là, je crée un adhérent, mon association. Voilà, j'ai créé une fiche adhérent. Je reviens ici au dossier des adhérents et je vais aller mettre une pièce dans le dossier. Pour faire ça, c'est relativement simple. Je vais aller chercher un document d'exemple, peu importe lequel. Hein. Voilà, c'est statut. Je vais mettre les statuts, ce document de statut dans Elise. D'accord, bon, ça reprend le titre. Et puis, ce que j'ai plus qu'une chose à faire, hein, ben, c'est ajouter un lien entre les deux documents. D'accord? Donc, ici, je vais retrouver dans les liens ma fiche adhérent, très facilement. Et puis, je vais l'ajouter. Hein, vous savez que Elise gère les liens entre documents. Et là, ben, très magiquement, j'ai fait le lien entre ma pièce et ma fiche adhérent. Je peux naviguer très facilement de l'un à l'autre. Et quand je suis sur l'adhérent mon association, eh ben je peux très facilement consulter la liste des pièces. Vous voyez que là, on a... alors, je pourrais en ajouter comme ça autant de pièces que je le souhaite. Donc, les liens, on est vraiment sur cette structure de base où on va créer les deux documents et puis faire un lien entre les deux. Donc, on a fait notre premier dossier. C'est simple, c'est rapide. On vient avoir une couverture fonctionnelle à peu près équivalente à ce qu'on avait avec les types dossiers dans la 5. Alors, c'est quand même un peu light, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on souhaite à ce niveau-ci, c'est pas uniquement gérer à la main le dossier. Ça manque un peu de règles de gestion. Et donc, on va essayer d'aller plus loin. Alors, vous savez que le slogan de NeoLedge, c'est plus loin, toujours plus loin, encore plus loin. C'est pour ça que j'ai plaisanté avec ça. Je pense que c'est notre passion pour Toy Story qui nous a fait ça. Bon, ça, c'est la petite blague du matin. Alors, on va aller plus loin, tous ensemble. En fait, ce qu'on va faire, grâce au Smart Agent, on va venir faire des liens automatiques. Donc là, dans le Smart Agent, c'est la première fonctionnalité de Smart Agent, ça s'appelle Smart Link. D'ailleurs, quand on a créé le Smart Agent, sa première utilité, c'était ça, de faire des liens. Avant de s'appeler Smart Agent, il s'appelait Smart Link. Donc, l'idée, c'est de dire ben, au Smart Agent, on lui donne dans son fichier de config, hein, je vous ai remis à quel endroit vous pouviez le trouver dans votre serveur Elise. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, en fait, on va faire un lien entre un document, là, le type 28, c'est la pièce. Vous avez vu que les liens, on les fait bien dans ce sens-là. Si vous vous souvenez, ne vous trompez pas, on fait bien le lien entre la pièce qui est rattachée à son dossier. Hein. Une des erreurs, c'est souvent de penser que le lien est dans l'autre sens. Non, c'est bien la pièce qui se rattache à son dossier. Donc, on va faire un lien entre un document source 28 vers un document de destination. Et pour faire ce lien de manière automatique, ce qu'on va utiliser, c'est le numéro de l'adhérent. D'accord?
Je reviendrai sur cet index qu'on met dans la déclaration tout de suite après. Alors, si on retourne dans notre plateforme, ce que je vais faire ici, moi, c'est que je vais supprimer le lien que j'ai fait à la main. D'accord? Donc, ici, j'ai supprimé le lien et je suis sur ma fiche adhérent. Alors, ce que je vais avoir besoin de faire sur cette fiche adhérent, c'est d'y mettre une référence pour faire un lien. Donc là, je vais prendre une référence adhérent, mon asso. Je vais d'ailleurs la mettre aussi dans le numéro d'adhérent à ce niveau-là. Donc là, j'ai juste à donner une référence à ma fiche adhérent pour pouvoir justement simplifier le lien entre les deux. J'ai fait cette référence. Je vais aller rechercher dans mon tableau de bord la pièce que j'avais créée tout à l'heure, elle est ici. J'ai fait deux widgets qui me donnaient la liste des pièces que je créais, qui étaient créées depuis 8 jours. Je vais revenir dans ma pièce adhérent. Et en fait, ici, plutôt que faire le lien à la main, eh bien, il suffit que je dise ben, ce document, il concerne l'adhérent, mon association. Donc là, je vais enregistrer cette donnée-là. Et puis, dans quelques secondes, eh bien, on va se rendre compte que le smart agent, il va faire un lien tout seul entre la pièce et mon dossier d'adhérent. Si je rouvre mon dossier d'adhérent, on va voir, hein, le document va arriver lié tout seul. Il faut attendre, ça peut être entre 15 et 30 secondes pour faire ce type de lien, ça dépend du nombre d'opérations que le smart agent doit faire. Le smart agent, c'est asynchrone. C'est-à-dire qu'il est, il va agir à la place d'un utilisateur, il va faire automatiquement ce que moi je devrais faire à la main. Et donc là, on va retrouver. Voilà, la pièce a été liée toute seule et je peux consulter depuis mon dossier adhérent le document de modèle de statut. Donc ça, c'est déjà magique, c'est déjà très intéressant parce qu'en partageant un référentiel, vous voyez, notamment le référentiel des numéros d'adhérents, quand je vais mettre dans ma fiche adhérent ce numéro, il va aller chercher, en fait, ce qu'on lui dit, il va aller chercher s'il y a un document de type fiche adhérent qui comporte cette référence-là. Voilà. Dès que je mets le numéro, il va aller chercher dans la base s'il y a un document qui comporte cette référence-là. Il faut qu'il en trouve qu'un seul. S'il en trouve deux, ça sera non équivoque pour lui, il ne fera pas le lien. Alors, on a déjà fait un certain nombre d'automatisations, mais là encore, ce qu'on souhaite, c'est quand même que toutes les pièces rattachées à mon dossier d'adhérent partagent les mêmes données descriptives. Pourquoi on souhaite ça? Alors, dans notre exemple, les données descriptives qu'on avait mis, c'est le contact, le gestionnaire, le statut. Parce que ça va, par exemple, nous permettre de rechercher toutes les pièces gérées, par exemple, par le gestionnaire. Ou gérer par le. Ils vont automatiquement porter le même numéro ou le même contact. Alors, on va revenir ici à mon exemple. Vous voyez que. Alors, pour faire ça, pardon, je vais vous montrer comment on fait. Là, on va utiliser une deuxième fonctionnalité, une deuxième fonction du Smart Agent qui s'appelle le copy field, la recopie des liens, l'héritage. D'accord? En fait, pour chaque champ, vous connaissez dans ma grille, alors on va aller voir ici au niveau de l'administration de mes grilles. J'avais ici pour en fait les fiches adhérents. Quand je déclare un champ de fiches adhérents, par exemple le contact adhérent, on va aller le rechercher ici. Donc ici, alors vous voyez qu'ici c'est vraiment des bases de démo. Quand je vais ici sur le contact adhérent, je vais aller l'éditer pour voir. Chaque champ administré dans Elise a un identifiant. Donc c'est cet identifiant, là retenez, donc c'est tout ce qui est member et contact. Ici en fait, je vais dire, par exemple, voilà, il y a ici. Je dis, voilà, dès que j'ai un lien entre ces deux types de documents. Donc, dès que j'ai un lien entre un dossier d'adhérent et une fiche adhérent, je veux recopier le champ contact automatiquement. Et donc, je l'ai fait sur les trois champs que je veux recopier. L'état d'adhérent,
le contact et le gestionnaire. Alors, on va aller donc remplir, nous, ces champs-là au niveau de ma fiche adhérent, très simplement. Hein. On va revenir au niveau de mes dossiers. Ici, dans ce dossier, je vais aller remplir mes champs. Donc, j'ai un champ contact, donc là, mon association. Je vais revenir sur ça ici. Je vais prendre le gestionnaire. Alors, je vais prendre Jamila, qui est gestionnaire de ce dossier-là. Et puis, le statut de l'adhérent. Alors là, j'ai fait un lien de type thésaurus. Hein, ça nous permettra de revoir la gestion. Je vais dire cet adhérent, il est actif. D'accord? Donc là, on voit que ces données-là, elles sont portées par le dossier d'adhérent. Ce que je souhaite, c'est que tous les documents rattachés à ce dossier partagent les mêmes métadonnées. Notamment, par exemple, quand je vais pouvoir chercher par gestionnaire Jamila, je vais retrouver l'ensemble des pièces. On va d'ailleurs aller voir ça. Hein, si je fais une recherche ici par Jamila, j'aurais pu vous le faire avant. Hein. Pour l'instant, j'ai que mon association qui est présente. Vous voyez, je ne retrouve pas toutes les pièces de mon dossier. On va, parce que le temps que le smart agent le fasse, on va ici aller dans ma pièce, hein, ça va s'actualiser. On va voir ici. Alors, moi, ce que je vous donne comme conseil à ce niveau-là, c'est que vous voyez, au niveau des grilles, dans ma grille personnalisée sur ma pièce adhérent, hein, j'ai pas remis, par exemple, les métadonnées du dossier, parce que ça n'a pas d'utilité. On va les rajouter ici, nous. On va les rajouter, comme ça, ça nous permettra de constater de la propagation des métadonnées. Donc, je vais, par exemple, aller rajouter mon gestionnaire. Voilà, bon, je vais le rajouter ici, comme ça on va le voir apparaître. Ça va être pratique. Lui laisser le temps d'exécuter les modifications. Et vous allez voir, on va voir apparaître l'héritage de ces métadonnées. Voilà, vous avez vu que la métadonnée gestionnaire, elle a bien été recopiée au niveau de ma pièce. Et ça, tout seul. Alors, pourquoi on ne le fait pas là? Parce qu'elle reste éditable. Si je le change ici, ça n'aura aucun impact. Le smart agent va le réécraser. Ad vitam aeternam. C'est pour ça que les données recopiées, on évite de les remettre au niveau des pièces pour ne pas troubler l'utilisateur et que ça ne réimpacte pas. Si maintenant, je refais ma recherche de tout à l'heure, vous allez voir. Si je dis, bah tiens, voilà, je veux tous les documents gérés par Jamila. Là, je retrouve bien mon dossier et ma pièce. Vous voyez l'intérêt de l'héritage des métadonnées, hein, et l'héritage des champs. Donc là, automatiquement, ben, le copy field, hein, il va recopier l'ensemble de ces champs. Alors évidemment, on l'a vu par une recherche. Ce qu'on peut aussi aller faire, c'est bien évidemment quand on va créer une nouvelle vue dynamique, par exemple dans lequel on va ici classer par exemple par gestionnaire, on va voir que Jamila gère bien deux documents. Hein, donc ça va nous servir dans tous les instruments de recherche, la recherche multicritère, mais aussi la recherche par vue dynamique. Donc on a beaucoup d'intérêt à cette recopie, hein, à cet héritage de champs. Ce qui est intéressant aussi, on va voir, c'est que à un moment, il se peut que ce dossier il change de gestionnaire. Donc là, dans Elise, on va revenir à mon tableau de bord d'adhérents.
Et imaginons que l'adhérent mon association change de main de gestionnaire. Que ça soit plus Jamila qui gère ce dossier-là, mais ça soit par exemple Yves. Donc, au niveau de ma fiche adhérent, je vais dire c'est Yves qui change, qui reprend ce dossier. Je viens d'écho, qui reprend ce dossier. Et ce que je souhaite, que cette modification, imaginez que j'ai 50 documents liés à mon dossier, je n'ai pas envie d'aller dans chacune des pièces changer le gestionnaire. Hein. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que cette modification qui est faite au niveau du dossier soit répercutée automatiquement sur l'ensemble de mes pièces d'adhérents. Et donc, c'est ce que va réussir à faire le Smart Agent tout seul. Hein. On va aller, nous, par exemple, reconsulter par adhérent, par gestionnaire, et on voit bien que l'ensemble des pièces a été réaffecté à Yves Missot. Si je vais dans le détail de ma pièce, je vois bien que la métadonnée gestionnaire a automatiquement été changée. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Il faut voir que cet héritage hein, et ce changement en masse, hein, donc ça va nous permettre de faire des modifications en masse, va s'opérer y compris à N niveaux. On connaît bien un exemple, par exemple, quand on fait de la gestion des achats, on va avoir une demande d'achat sur laquelle on va passer une commande. Une fois que cette commande sera effectuée, on va recevoir des bons de livraison et une facture, etc. Donc comprenez bien que toutes les métadonnées de la demande d'achat vont être répliquées sur ma commande, toutes mes métadonnées de commande sur mes PV, tous les PV sur la facture. Et on pourra savoir que cette demande d'achat a été facturée. Donc là, on a une gestion en cascade, en dossier, sous dossier, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a le meilleur des deux mondes. C'est qu'on peut en plus, pardon, on va pouvoir, je vais garder mon PowerPoint comme ça, on va pouvoir en plus faire les deux. C'est-à-dire que on va revenir ici. Je vais recréer, moi, une nouvelle pièce. Hein, je vais reprendre un exemple de document. Bon, là, par exemple, là, le règlement intérieur. Je vais créer une nouvelle pièce de dossier avec ce fichier-là. Et là, ici, je ne sais plus, en fait, le numéro d'adhérent, je ne le connais plus. Donc là, ce qui est plutôt pratique, je vais le lier à ma fiche adhérent. D'accord? Donc là, je vais aller chercher mon association. Pardon. Et je vais faire un lien, comme j'ai fait à la main tout à l'heure. Hein. Donc là, je vais faire un lien à la main et je vais lier les documents. Ce que vous allez voir que le Smart Agent, il est intelligent parce qu'il va se dire, ce document-là que l'utilisateur a lié à la main, j'ai des règles Smart Agent qui me dit quand il y a ces deux types de documents liés, en fait, on m'a demandé de recopier les métadonnées. Alors bien évidemment, il le fait automatiquement quand je mets le numéro d'adhérent, mais il va le faire aussi automatiquement quand on fait un lien à la main. Donc là, pareil, il faut toujours attendre. Voilà, j'ai fait le lien à la main et vous voyez que mon règlement intérieur, il a automatiquement été récupéré le numéro d'adhérent et mon numéro de gestionnaire. Et donc en fait, ces deux documents-là, je vais les retrouver liés à ma fiche adhérent d'une part. Donc je vais pouvoir les consulter d'ici. Soit l'un, soit l'autre. Alors, vous vous souvenez que dans Elis 6, en plus, on a la capacité d'épingler les documents pour les avoir en regard. Hein, et évidemment, si je vais aller consulter l'ensemble de mon dossier de cet adhérent-là, j'ai bien mes trois documents qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Hein, c'est magique. Donc, on peut le faire, les liens, pardon, on peut les faire soit par des identifiants de rattachement de dossier. À ce moment-là, le Smart Agent va, lui, d'une part, faire le lien et la recopie des champs, ou on peut le faire à partir d'un lien manuel. On va avoir les deux fonctions. Alors, je vous ai rappelé ici, vous avez toute la documentation de mise en œuvre du Smart Agent que vous aurez à ce niveau-là. D'accord? Alors, on vient de parcourir rapidement les fondamentaux déjà de la gestion de dossier. Hein, on a déjà là fait des choses à forte valeur ajoutée. Ça s'est fait automatique avec grosso modo peu de paramétrage. Vous avez vu qu'il suffit d'ajouter une règle
de SmartLink, plus la règle de copy field dans le Smart Agent pour que ça s'opère automatiquement. Alors, on va souhaiter aller un peu plus loin, en fait, parce que ce qu'on s'aperçoit dans nos projets, c'est que les référentiels, les adhérents, les clients, les établissements, les commandes, les projets, eh ben, ce n'est pas Elise qui gère ce référentiel. Il est souvent géré et administré au niveau d'outils de gestion de ERP. Hein. Par exemple, nous, nos clients, vous êtes gérés dans notre ERP. Et évidemment, nous, on rattache tous vos documents dans Elise. Donc, on ne va pas recréer à la main les clients, les fiches clients dans Elise. On va vouloir les créer automatiquement. Donc, ce qu'on va vouloir disposer, c'est d'un outil qui fait de la création, qui est capable de requêter dans le SI, qui fait de la création et de la mise à jour, qui va faire le mapping automatiquement entre les données descriptives d'un adhérent et la fiche Elise. On va vouloir aussi qu'il fasse en différentiel pour mettre à jour, quasiment en temps réel, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, ces fiches-là. D'accord? Et bien évidemment, comme on est dans le cloud, hein, les plateformes que j'utilise, c'est les plateformes Elise Cloud. On va vouloir que ça soit un produit qui est cloud-friendly, qui passe par HTTP. Et puis ça, on va vouloir l'importer, l'ajouter dans Elise, faire des mises à jour et intégrer ça dans un casier. Alors, cette brique-là, elle porte un nom. C'est le Master Data Import. Hein, c'est un outil standard d'Elise hein, qui est livré en standard et qui va nous permettre de faire ces opérations-là. Alors, on va nous en profiter. Alors, si je fais un peu de zoom sur le Master Data Import, il va prendre une source de données. Il peut prendre deux types de sources de données. Soit un fichier Excel avec un add-in, c'est ce qu'on va utiliser ce matin, c'est plus visuel et c'est plus simple. Soit une requête dans une base de données, une vue de base de données en lecture seule, et là, il y a un outil en ligne de commande. L'avantage de la base de données, c'est qu'on va en plus pouvoir faire du différentiel, hein, parce qu'on va le Master Data Import, il va demander à la base de données, donne-moi tous les enregistrements qui ont été modifiés depuis mon dernier lancement. D'accord? Donc, on va devoir avoir une source de données. On va devoir faire un mapping entre les champs de la base de données et Elise. Hein, c'est la correspondance des champs. Et enfin, vous savez que dans Elise, à chaque fois qu'on veut faire rentrer un document dedans, bien souvent, eh ben on va devoir disposer d'un casier. Dans ce casier, on va fixer un certain nombre de règles. Le type de document, ce n'est pas en amont qu'il est fixé, c'est le casier qui va le fixer. Le type et donc le sens, les intervenants et éventuellement un chemin de suivi, parce qu'on va vouloir que ce document il soit auto-distribué. Alors, on va faire ça ensemble. Alors ça, nous, on va utiliser dans le Master Data Import une source de données. Je vais aller l'ouvrir tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai donc MDI pour Master Data Import. J'ai ici, au lieu d'avoir une base de données hein, ou une vue de base de données, bah, j'ai créé, vous voyez, ici, quatre lignes qui correspondent à quatre adhérents que je souhaite importer. D'accord. Donc là, c'est ma base de données, là, elle est sous Excel. Vous voyez que là, le Master Data Import, il est représenté sur un add-in. On retrouve ici hein, le mapping, le casier hein, et les données que je veux importer. Le dossier, la configuration du dossier de mapping, ça représente, alors ça se fait dans les fichiers de config Elise, hein, ça s'appelle Elise config external source mapping. Ce que je vais dire, c'est au mapping, je vais lui donner un nom, mapping adhérent, et je vais dire le nom de la source. Alors ça correspond à ma colonne. Donc je dis par exemple le dossier NeoLedge, il va aller dans le titre de mon courrier. D'accord? L'ID qui est ici, il va à la fois dans ma référence et il va dans le numéro d'adhérent. Et voilà, et je vais comme ça faire le lien entre la colonne de ma source et ma destination. Alors, l'air de rien, ici, dans notre exemple, on a des champs standards. Par exemple, les champs standards sont subject, référence. On a des champs administrés. On va remettre là nos ID de champs administrés. Et on peut avoir des champs administrés de type complexe, par exemple, l'organigramme. Donc là, par exemple, dans l'organigramme, il va aller rechercher dans l'organigramme selon le nom. Je dois mettre le nom en entier. Je pourrais avoir son email, par exemple. Ça me suffirait pour faire le lien. Pour ça que le Master Data Import, on n'a pas à connaître la structure de données Elise.
hein, et il va faire des intégrations de champs à forte valeur ajoutée, parce qu'il va se débrouiller tout seul pour aller rechercher dans l'organigramme le gestionnaire dont le nom est Yves Missot et l'intégrer comme gestionnaire de la fiche Elise. Je peux avoir des champs de contact. Là, vous voyez, en fait, ce que je vais aller chercher, c'est le contact qui a tel ID dans le carnet d'adresse qui est un carnet d'adresse adhérent. Hein. Ici, pour vous montrer, j'ai créé dans ma base contact un carnet d'adresse adhérent. Alors, bien évidemment, j'étais un peu feignant parce que j'aurais pu importer les adhérents. Hein, et dans chaque adhérent, ici, j'ai remis comme champ administré mon identifiant d'adhérent. Ça va me permettre de faire le lien entre ma fiche adhérent et mon contact. Hein. Il faut bien savoir que le contact porte essentiellement des données postales d'adresse. Et moi, quand j'ai besoin d'enrichir les métadonnées d'un contact, je fais une fiche contact dans Elise et je fais le lien entre les deux. Donc voilà, j'ai fait mon dossier, j'ai fait ici mon fichier de mapping. Et ce fichier de mapping, il me fait bien la correspondance entre mes champs de ma base de données, ou ici représenté sous forme Excel, et Elise. Hein, il ne me reste plus qu'à avoir un casier. Alors, le casier, vous les connaissez. Donc, je fais un casier qui s'appelle casier adhérent. C'est un casier que j'ai mis en autodistribution. Ici, sur ce casier-là, alors on peut aller le voir. Hein, on peut retourner ici dans l'administration des casiers. Vous voyez, voilà, que je ne me perds pas. Voilà, dans l'administration des casiers de distribution, je vais retrouver mes casiers adhérents ici. Hein, et en fait, ce qui est important, c'est les règles. J'ai, alors, dans un casier de type interne, je dois mettre un signataire, j'aurais pu le mettre inactif, d'accord. Donc là, c'est, voilà, ici le signataire. Ce qui est important, c'est que je vais changer de type. Vous voyez, je vais dire dans ce casier-là, c'est bien un document de type 27 que je vais mettre. Je vais changer de support. Moi, j'ai dit, ben, comme ça vient du SI, c'est pas. C'est un document de type support application et je change de sens, j'en fais un document interne. Donc le casier, il me permet, une fois que j'ai fait la correspondance des champs, de donner le bon type, le bon sens à mon document. Et je vais le mettre en auto-distribué avec un chemin de suivi vraiment très simple où j'attribue ce document tout en haut de la racine de mon organisation, c'est un référentiel, je ne mets pas un utilisateur, hein, j'aurais pu le mettre d'ailleurs à un service à la racine que je pourrais appeler Master Data Import. Donc là, j'ai tout préparé. Hein. J'ai préparé l'ensemble de mon paramétrage qui va me permettre de faire de l'import en masse. On voit pour l'instant, j'ai qu'un adhérent qui est mon association. J'ai préparé tout ça. Il suffit que je revienne ici dans mon fichier de Master Data Import et de lancer l'import de mes quatre fiches au niveau de mon Elise. Voilà, magique, de manière complètement automatique, j'ai importé mes quatre adhérents dans Elise. Ces quatre adhérents, ils ont bien été importés, avec pour chacun d'entre eux la reprise hein, des métadonnées. On voit bien que j'ai mon titre, j'ai bien le type qui a été changé, la référence qui a été mise à jour, le support qui est mis ici, le lien vers la base contact avec l'adhérent NeoLedge, mon code d'adhérent, mon gestionnaire et le statut. Voilà. Alors, ce qui est pratique, par exemple, on voit que là, j'ai mis Robert Suvillivan comme gestionnaire de l'adhérent. Hein, il faut bien voir que ça fait de la création et de l'update. Hein. Ici, par exemple, si je vais changer de gestionnaire, imaginons qu'au niveau de mon système d'information, on a changé de gestionnaire, on a changé d'administrateur de projet, on a changé de responsable du compte, voilà. Eh bien, le Smart Agent, lui, qui est mis en automatique, hein, parce que bien souvent, la version Excel nous permet de faire de la mise au point, mais là, il va être mis en automatique, ben, ça va nous mettre à jour les données. Et on va passer de Robert Sullivan à Dorian, automatiquement, sans qu'on ait rien à faire. Donc, on a l'assurance d'avoir un référentiel Elise qui est tout à fait en regard de notre référentiel de système d'information. Alors, je vois que je prends pas mal de temps. Le Master Data Import, il permet d'importer des référentiels, mais pas que. Hein, il faut savoir que Master Data Import, il nous permet aussi d'importer des fichiers.
Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut rajouter une colonne avec le nom du fichier. Hein, il va nous permettre d'importer des fichiers, donc des pièces jointes dans nos documents. Alors là, j'ai donc été un peu plus loin parce que ça nous permet notamment d'illustrer la reprise de données, par exemple, hein, en masse, notamment. Alors là, j'ai été un cran plus loin et je me suis amusé à dire, bah, tiens, je vais reprendre des fichiers avec le master data import. Donc là, j'ai fait un autre fichier de configuration. Vous voyez, mais au niveau de mes données, ici, alors on va tous les supprimer, d'accord. Je dis, mais où est-ce que je vais aller chercher mes fichiers? Eh bien, mon sujet, ça va être d'importer, par exemple, une arborescence de répertoire. Donc là, par exemple, bien souvent, j'ai un existant de fichiers sur le réseau. Hein, avant de mettre en place la GDLIS, ben, j'ai sur des répertoires partagés, j'ai, voilà. Dans des répertoires, sous-répertoires, j'ai un certain nombre de documents, des fois bien ou mal classés. Alors, bon, là, je les ai copiés deux fois. Ici, j'en ai mis d'autres. Et je vais avoir envie de les récupérer. Alors, moi, ce que je me suis amusé, c'est faire une petite macro qui va aller lire l'ensemble de des données à ce niveau-là. Hein. Donc, ce que je veux récupérer, c'est mon archive. J'ai fait une petite macro qui prend 10 lignes et qui va lire l'ensemble des documents. D'accord? Donc, il va me mettre à jour la liste de mes fichiers importés. Alors ça pourrait être fait comme ça, mais ça pourrait être aussi des documents contenus dans une autre GED ou peu importe. D'accord? Je me suis en plus amusé à exporter mon thésaurus. D'accord? Et d'essayer de les classer automatiquement. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, tiens, si mon fichier comporte le mot adhésion, eh ben, je vais le lier à mon thésaurus identité et statut. Et en fait, ce que j'ai besoin, ce que sait faire le master data import, c'est de les identifier en des termes. C'est pour ça que là, je me suis, voilà, l'adhésion, et ben voilà, il va être classé automatiquement sur ce terme-là. Hein. Et puis, je me suis dit, ben, au premier niveau de mon arborescence, je vais avoir, parce que quand même, ça a été classé relativement bien, ben, au premier niveau de mon arborescence, je vais avoir mes adhérents. Donc là, j'ai essayé de reprendre tous mes niveaux d'arborescence. C'est pour ça qu'on voit que ce que je reprends, c'est que mon fichier, je prends la colonne nom qui est le nom de mon fichier. Le premier niveau d'arborescence, ça va aller dans mon numéro d'adhérent, le classement dans le classement, et j'ai repris la date de création de mon document. Et ben en faisant cette petite préparation qui m'a pris peu de temps, et ben je vais aller importer et reprendre l'ensemble de ma base de fichiers, y compris la publication des pièces jointes dans ma base Elise. Alors là, pendant que ça s'exécute, on va aller voir mon dossier d'adhérent et on va voir mes nouvelles pièces qui vont arriver au fil de l'eau tout seul. Voilà, donc elles vont être importées, hein, directement ici. On voit d'ailleurs que j'ai fait un plan de classement qui me permettait de suivre l'ensemble de ces documents, hein, et du classement de l'ensemble de mes dossiers adhérents. Donc, si j'ouvre ce plan de classement, ben, on voit que les documents sont importés petit à petit. Au fur et à mesure de l'import, il y a les regs partageants qui se mettent en route et ils vont passer automatiquement de non classés à être classés automatiquement dans les bons dossiers. D'accord? Voilà, donc ça se fait progressivement. Et là, vous allez voir, je vais retrouver les différents documents, hein. Et par exemple dans Elicity ici, je vais avoir retrouvé le bulletin d'adhésion, hein, qui a été repris automatiquement. Bon, vous voyez, bon là il faut un peu de temps parce que il fait plein de choses en même temps. Hein. Vous allez voir qu'on va finir à avoir quasiment tous les documents classés dans mes documents d'adhésion. OK? On va aller le voir, on va le laisser faire, on va le voir tout de suite après. Alors, vous avez vu tout ce qu'on a fait? On pourrait refaire ça. Alors, on va même s'amuser, parce que là, je voulais expliquer au fil de l'eau, ben, ce qu'on va faire, on va attendre qu'il termine, puis on va tout effacer, on va tout recommencer. On va voir si on peut refaire ça en quelques clics.
voyez là, ils ont été classés dans les bons dossiers. Je retrouve mes documents de NeoLedge avec les différents classements ici. D'accord? Et je retrouve bien, par exemple, le RIB de NeoLedge ou ici l'extrait CABIS directement qui a été repris de mon archive de fichiers. On supprime tout, on recommence pour voir si ça, si c'est aussi magique qu'on croit. Allez, je supprime tous les documents que j'ai créés et puis on va recommencer hein, en quelques clics. Alors, le temps, je vous le referai. Le temps qu'on recommence ça, comme j'ai pris quasiment mes 3 quarts d'heure, eh ben, on va peut-être passer aux questions-réponses. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure peut-être pour y répondre, hein, le temps que Élise efface tout et que je relance l'import en masse pour vous montrer que tout ça, en fait, une fois que ça a été paramétré, avec des paramétrages relativement simples, il faut les connaître, mais relativement simples, eh ben, on va pouvoir créer des dossiers en masse, importer des documents et éventuellement faire du changement en masse de métadonnées. Vous allez le voir. J'écoute peut-être vos questions pour ceux qui en ont. Vous avez l'air interloqué. Allez, si quelqu'un veut bien se lancer. Bonjour. 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 Oui, bonjour. J'avais une J'avais petite une petite question. question. Comment Garantir que garantir que l'identifiant l'identifiant soit soit unique? unique? Est-ce qu'on sait Est-ce le qu'on sait garantir garantir facilement facilement dans dans Miss? Oui, alors il y a effectivement, ça c'est une question essentielle, parce que s'il n'est pas unique, ça va pas, voyez, on va pas pouvoir établir ces règles de lien. Alors on a on met en œuvre le dédoublonnage pour ça. D'accord? Alors, Ok. quand il est importé depuis un référentiel externe, cette unicité, il doit être géré par l'application source. De toute façon, sinon, il va faire de l'update, il va pas. Le master data import, il ne pourra jamais créer de doublon. Parce qu'il va créer un document avec une référence. Et si on essaye de créer un même document avec une autre, avec la même référence, il va faire de l'update, en fait. C'est quand on les crée à la main. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en œuvre des règles de dédoublonnage. Hein, et il va nous dire, attention, il y a déjà un document qui porte cette référence. Ok, merci. Merci. Il y a une question qui arrive par le chat. Oui, ah, d'accord. Oh, donc je vais aller regarder à ce moment-là. Hop. Alors, on va aller les voir tous ensemble. Très bien. Est-il possible d'appliquer ce fonctionnement pour faire des dossiers RH? Alors, ben, c'est tout à fait ce qu'on fait, hein, parce qu'on va avoir des matricules, par exemple. On va prendre, nous, par exemple, tous nos dossiers RH chez NeoLedge sont traités comme ça. Il y a des synchronisations automatiques, notamment avec la paye. On a fait la reprise, la petite macro que je vous ai montrée, c'était pour faire la reprise de nos vieux dossiers RH qui étaient sur un répertoire il y a quelques années. Hein, et on a fait ça automatiquement. Hein, donc c'est exactement ce que je vous ai montré là, c'est inspiré de la gestion des dossiers RH de chez NeoLedge. Ouais. Moi, j'avais une question Oui. qui concerne les liens. Parce que tout à Oui. l'heure, dans l'explication, moi, j'ai eu un petit moment là, c'est une petite micro-coupure. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Ce que j'ai vu, c'est le lien via le Smart Link et le Copy Field qui permet, dès que je définis un champ commun, le code adhérent, ça se remplit automatiquement via le Smart Agent. Et ce que Oui. j'ai juste loupé, c'est après, c'est si je fais le lien à la main, ça veut dire que je remplis pas le code adhérent, je rajoute une nouvelle pièce, je remplis pas le code adhérent, je fais un lien à la main, et à ce moment-là, automatiquement, il retrouve au niveau du Smart Agent, il va remplir les métadonnées communes, mais il va également renseigner le code adhérent. Tout à fait. En D'accord. fait, là, c'est parce que je ne vous l'ai pas mis, mais c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, si pour lever, pour faire ça, pour avoir ce type de fonctionnement, il faut rajouter une règle qui est la recopie du code adhérent. D'accord? Voilà, mais il va le faire tout seul, il va recopier ce code adhérent hein, dans les fichiers de config, je pourrais vous les montrer. En fait, j'ai rajouté ici, Elise, j'aide, mais c'est assez simple, hein, parce que
les configs Smart Agent, elles sont ici. En fait, au niveau des fichiers de config, j'ai demandé aussi à faire le copy field sur les... Alors, vous voyez, dans les plateformes de démo, on en fait des copy fields. Hein. J'ai aussi fait les copy fields sur le code adhérent. Et c'est comme ça que ça s'opère. En fait, quand on fait les liens manuels, il faut rajouter cette règle, qui n'est pas nécessaire quand on l'a déjà. Hein, quand on le remplit à la main, ce n'est pas nécessaire. Mais quand on fait le lien à la mano, il suffit de faire ça, et il va recopier le code adhérent. Alors, vous voyez, là, j'ai vidé toute ma base. Hein, j'ai plus rien, j'ai plus de dossier, j'ai plus rien, j'ai tout est vidé. Hein, donc, vous voyez, là, on peut réimporter nos quatre adhérents. Ça va se faire tout seul. Hein. Vous voyez d'ailleurs qu'on a, on a un journal hein, dans le Smart Agent, parce qu'on pourrait très bien avoir un document qui est verrouillé, par exemple, hein, en écriture, etc. Donc, on a un journal qui nous garantit que ça s'est opéré. Donc, vous voyez, là, j'ai très facilement importé mes adhérents. Et ici, bon, je peux mettre à jour mes pièces avant et je peux aller réimporter mes pièces de dossier. Et j'ai rien d'autre à faire que ça pour les voir apparaître dans Elise. Ça va se mettre à jour, ça va hériter des métadonnées, ça va se classer tout seul. On verra. On va même plus loin parce que ça gère des droits automatiques. Là, on verra ça la semaine prochaine, comment on va gérer des droits automatiques à ce niveau-là. Hein, et puis, bah, ça va permettre, notamment sur la consultation des dossiers ici. On va reprendre parce que j'ai plus tout en tête. On va aller ajouter ici le gestionnaire on a le gestionnaire qui gère, bon, bah, par exemple, les documents d'Elicity, c'est géré par Jamila. Donc, par exemple, si on allait se connecter sous son compte, ici, elle verrait arriver. Bon. Elle va voir arriver ses dossiers automatiquement. Alors, elle est là, elle est où? Alors ça, je vous expliquerai comment on fait ça la semaine prochaine, parce que vous voyez que bien souvent, pour avoir un document arrivé dans Elise, il faut une tâche. Hein, vous êtes d'accord qu'il faut, quand on n'a pas de tâche sur un document, on ne le voit pas. On ne le voit pas arriver. Là, j'ai pris volontairement un collaborateur, donc il n'a pas de droit d'accès particulier. D'accord? Et elle voit quand même, alors elle peut voir, vous voyez ici, quand elle va consulter, elle peut voir tous les dossiers présents, mais uniquement avec la fiche. Par contre, sur les dossiers qu'elle gère, elle voit tous les documents. D'accord? Alors là, on verra, alors qu'elle n'a pas de tâche dans le processus, c'est la racine de l'organigramme. Hein, donc, normalement, personne n'a le droit de le voir. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et elle est gestionnaire, pour le coup, des dossiers NeoLedge. Pardon, du dossier Elicity, hein, c'est pour ça, elle est gestionnaire du dossier Elicity. Si je faisais un truc amusant, d'accord, si je dis, ben voilà, c'est plus Jamila qui gère Elicity, mais c'est Dorian, si je mets à jour mes référentiels adhérents, vous allez voir, elle va perdre les droits. Hein? Donc ça, c'est, on va attendre quelques instants, puis elle va perdre les droits. Il y a peut-être d'autres questions. Dans le cadre des dossiers RH, c'est relativement simple, parce que le collaborateur... Alors là, la question, c'est dans le cas, par exemple, de dossiers RH, comment l'agent y a accès? Ben ça, il faut revenir la semaine prochaine pour que je vous l'explique. C'est ça le teasing, pour vous inciter à revenir. Hein. Moi, j'ai une autre question. Tout à l'heure, là, quand on a défini donc la fiche, le dossier adhérent et puis après les types de pièces, le lien entre les deux donc se fait sur le code adhérent. Mais vous avez également reporté le code sur dans le champ référence, le champ standard d'Elise. Est-ce que quel est l'intérêt de remplir ce champ si le lien se fait sur une autre métadonnée? Alors en fait, pour être tout à fait précis. Dans le cadre de mon exemple, le lien se fait sur la référence.
D'accord. Moi, j'ai mis le champ code adhérent en plus pour avoir les pièces d'adhérent dans ma vue dynamique, hein, parce que je les classe par numéro d'adhérent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir mes fiches adhérents. Mais c'est un paramétrage qui n'est pas bon, pour être tout à fait critique. En fait, le Smart Agent, il est capable de faire des liens en allant chercher la référence. Par défaut, il va chercher la référence, hein, pour faire le lien, hein, entre la fiche, entre la pièce d'adhérent, et il va chercher la référence. Il y a un paramétrage dans le Smart Agent qui lui dit, ben non, tu ne vas pas chercher la référence, tu vas chercher sur une métadonnée. C'est un paramétrage complémentaire. Pour ceux qui connaissent, il faut faire un SIMINDEX perso au niveau du link, dans le Smart Link. Vous verrez ça dans la doc, SIMINDEX perso, mais à ce moment-là, si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre à jour mon PowerPoint pour vous expliquer ça. En fait, on vient sur la référence systématique, en fait. Alors oui, quand on ne fait rien, avec la règle la plus simple, c'est que on importe nos référentiels en mettant dans la référence l'ID sur lequel on va vouloir faire le lien. C'est souvent le plus simple. Hein, d'autant plus que les règles de dédoublonnage se font sur la référence. Hein, donc c'est assez simple. Mais quand on ne veut pas recopier au niveau de nos champs, au niveau de nos fiches de dossier, deux fois le code, on peut le faire directement sur la métadonnée. Alors, vous voyez que j'ai changé de manager au niveau d'Elicity. Ben, elle a perdu tous les droits. Elle n'a plus accès aux pièces. Jamila. Hein? Donc, on verra ça la semaine prochaine, comment on fait ce genre de choses sur les droits. Donc, c'est assez pratique. Hein? Parce que là, elle n'a plus qu'accès au référentiel. Alors, c'est intéressant, par exemple, qu'elle garde accès à ces pièces-là, parce qu'elle connaît les adhérents, elle connaît les gestionnaires, elle sait que c'est Dorian. Et elle pourrait demander à Dorian, est-ce que tu peux me donner accès à telle pièce ou telle pièce? Dans les aspects de case management, c'est souvent ce qu'on va faire. Voilà, on a à peu près passé le temps. On a peut-être encore le temps pour une dernière question. D'accord. Vous retrouverez, alors, ce qui va vous être mis à disposition, c'est bien, alors, déjà, donc, la semaine prochaine, on verra justement comment on crée ces vues dynamiques, hein, que je vous ai montrées. On va regarder comment on les a créées. On va regarder comment on peut faire un lien, hein, vers ces vues dynamiques-là. Hein, et comment on fait cette mise à jour, et on verra la gestion des droits d'accès, notamment, que je vous ai montré le résultat, mais on va aller voir comment on gère les droits d'accès aux métadonnées. Hein. Et puis, on va commencer à regarder une autre fonction du Smart Agent, hein, qui est le onChange. À l'enregistrement de la pièce, il peut faire un certain nombre d'opérations. Ça nous servira pour donner une référence automatique à nos pièces d'adhérents. Voilà, on a préféré faire des formats assez courts, alors c'était dense, mais vous aurez accès au PowerPoint qui vous réexplique ça, tout ça, et à la vidéo. Et puis ben, je vous invite à jouer avec ça dans vos organisations. Hein. Et c'est vrai qu'on a, ça ouvre plein de sujets, RH, par dossier, par établissement, je pense par exemple aux ARS, par fournisseur. Voilà, par numéro de marché, hein, ça c'est, on a beaucoup de clients dans le secteur public, donc vous pourrez gérer par numéro de marché l'ensemble de nos pièces de marché, les PV, les factures, etc. etc. Voilà. Je vous souhaite, d'abord portez-vous bien, j'espère que ce moment n'est pas trop difficile pour chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine.